Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute de Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 3 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Comme d'habitude, retour sur le quintet de la veille qui se disputait ce mardi sur l'hippodrome d'Auteuil. Pour la réouverture du temple de l'obstacle parisien, c'est le numéro 13, Éclair du Maffrais, qui s'impose avec style. Top Prono et Turf Sélection indiquent sans problème le tiers écarté quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même 194,20 €. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, beaucoup trouvent le quintet plus du jour. Lyon 29, Kwame Anto et Elena Dame s'illustrent en composant le podium grâce à un total de plus de 600 points chacun. Bravo à tous les trois. Allez, étudions maintenant le tiercé quarté quintet plus du jeudi 3 septembre qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le prix du lac, 7e course de la Réunion 1, verra son départ être donné à 19h10. Sur un terrain bon soupe, 44 000 € seront à se partager entre les 16 jeunes galopeurs âgés de 3 ans qui prendront part à ce handicap divisé de première épreuve. Une fois encore, il y aura des surprises à l'arrivée dans ce lot très ouvert avant coup. Man, le numéro 10, est une femelle de 3 ans entraînée par Cédric Rossi. Représentant les intérêts du haras de la Gousserie et d'une belle régularité dans l'ensemble, elle peut faire plaisir à son jockey Anthony Crastus. Reventador, le numéro 8, présenté par Carlos Lafont Baria, serait sur une victoire pleine de facilité. Ce mâle de 3 ans est en pleine possession de ses moyens actuellement et peut sortir victorieusement du numéro 16 dans les stalles de départ. Grande Gesté, le numéro 5, est présenté par l'habile Valdemar Hixte. Sa récente 7e place ne reflète pas sa réelle valeur et il devrait logiquement remettre les pendules à l'heure sur un terrain bien plus à sa convenance aujourd'hui. Vengard Nalp, le numéro 3, deuxième atout de l'écurie X, sera monté par un Théo Bachelot en grande forme actuellement. Restant sur 2 victoires, elle participe à son premier handicap avec de hautes ambitions. Silver Crystal, le numéro 6, d'une belle régularité dans l'ensemble et piloté par l'habile Pierre-Charles Boudot, aura également des fans. Nemean Lion, le numéro 4, avec l'aide de Michael Barzalona et en progression ces derniers temps, peut logiquement espérer jouer le succès ici. En cas de non partant, Volinka, le numéro 9, la André Fab de service, tentera encore une fois d'introduire notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.